Le 6 mai prochain, Charles III sera couronné mais l'état de santé du roi d'Angleterre inquiète en effet, à cause d'une mauvaise habitude, il pourrait avoir des problèmes de santé. Il faut attendre encore quelques jours pour pouvoir admirer le couronnement de Charles III. En effet, le 6 mai prochain, le roi d'Angleterre portera enfin la couronne tant espérée devant plus de 2 000 invités. Une cérémonie et des festivités particulières sont prévues pour cet événement historique. Mais voilà que l'état de santé de l'époux de Camilla Parker Bowles inquiète ses sujets. En effet, selon une source proche du roi, le père des princes William et Harry, une très mauvaise habitude alimentaire du angoisse certains experts royaux. En effet, le roi Charles ne boirait jamais d'eau entre les repas. Une manie qui peut lui provoquer de gros soucis de santé. Les risques de déshydratation prolongée peuvent affecter la fonction rénale et augmenter le risque de calculs rénaux. Cela peut également entraîner des lésions musculaires et de la constipation, indique le site du NHS. Mais pour quelle raison le roi Charles III ne boit-il jamais d'eau entre les repas? En effet, il y a bien justification. Le roi d'Angleterre ne veut tout simplement pas perdre du temps à aller aux toilettes. Ce n'est pas la seule petite manie assez étrange du mari de Camilla Parker Bowles. En effet, au petit déjeuner, il mange un repas composé de fruits, de noix, d'œufs à la coque et d'une tasse de thé. Puis il attend 5 heures pour manger à nouveau. Et hors de question pour lui d'être photographié quand il mange. En fin de journée, Charles III n'hésite pas à faire le poirier, pour soulager une blessure de polo. Charles III fait le poirier en sous-vêtements et apparemment, si est-il en tenue très légère que le roi d'Angleterre réalise sa gymnastique. Il faisait ses étirements quotidiennement, en boxé, appuyé contre une porte ou suspendu à une barre tel un acrobate habile, écrivait le prince Harry dans son autobiographie Le Suppléant. Des habitudes assez étonnantes pour le roi d'Angleterre. À propos de l'auteur Holmes passionné de People, j'écris sur Closer depuis 2020. Vos célébrités préférées n'ont plus de secrets pour moi. Ces derniers articles est ce que je préfère chez lui, si est-il, le message cocasse de Laurie Tillman au sujet d'une perso. Charles III, c'était ça le code, Gilles Boulot lève le voile sur un geste étonnant des gardes. Haut de scène, une simple querelle à la caisse d'un supermarché débouche sur un terrible drame. On your